Salut la gang, c'est Suzanne des Bistraqueurs. Aujourd'hui, je voulais clarifier les choses. Pourquoi qu'on frappelle un conducteur de chien de sang? Pourquoi que le chien serait meilleur qu'un bon pisteur? Un animal blessé, ça saigne pas toujours. Puis le sang, il coagule vraiment rapidement. Des fois, au début, là, il y a des flaques de sang, puis après 300-400 mètres, on ne voit plus une goutte. Tout ce qu'on va retrouver, c'est des frottés sur la végétation. Comme lors d'un tir de panse, souvent les organes vont aller se loger le long de la paroi thoracique. Fait qu'après ça, ça va boucher le trou, puis il n'y aura pas de sang. Vous ne serez pas capable de suivre la piste, mais le chien, lui, n'aura pas de misère pantoute, parce qu'en plus, ça va se finir en hémorragie interne. Quand il mouille, ça efface les traces de sang. Mais la pluie, a fait comme étendre l'odeur pour le chien, ça va être encore plus facile pour lui suivre la trace. Lors des grandes chaleurs, là, le chien va trouver votre gibier plus rapidement, vous allez perdre moins de viande. Quand il fait noir, vous n'arriverez pas à suivre les traces de sang. Mais le chien, lui, il n'aura pas de misère parce qu'il n'a pas besoin de les voir. C'est son nez qui le guide. Il y a aussi quand il y a plusieurs gibiers en même temps. Le chien va faire la différence entre chacun d'eux parce que chaque bête a une odeur différente. Puis en plus, il sécrète de l'adrénaline quand ils sont blessés. Ça part d'une glande entre les pattes, fait que ça laisse une odeur spécifique dans la trace. C'est pour ça que notre chien il est entraîné à suivre juste l'animal qui est blessé. Il y a aussi les embûches, comme les lacs, les rivières. Quand l'animal a traversé l'autre côté, le sang est comme délavé, fait qu'on ne retrouve plus la piste. Mais le chien, lui, n'aura pas de misère à suivre l'odeur. Puis en plus, souvent, un animal qui est blessé va essayer de brouiller les pistes pour pas qu'on le traque. Fait qu'il va faire des cercles, ou bien des backtracks. Un backtrack, c'est quand une bête part d'un sens, revient sur ses pas pour repartir d'un autre côté. Il y a aussi les prédateurs qu'il faut prendre de vitesse, comme les loups, les coyotes. Vous ne voudriez pas arriver sur votre gibier puis qu'il soit à moitié mangé par un loup ou un coyote. Pour terminer, ça arrive souvent que j'ai des téléphones de des chasseurs qui ont cherché pendant plusieurs heures à 3 puis 4 personnes qui n'ont pas retrouvé leur animal. D'autres, un coup qu'on est sur place, parfois ça peut prendre juste 15 minutes. Il faut le passer à côté, à quelques pieds seulement, puis vous ne le verrez pas. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci, à la prochaine! Salut!